Ok les gars, on est tous les trois dans trois pièces différentes. Le premier qui arrive à s'en sortir et aller dans le salon gagne la mallette remplie d'argent. Mec, je te jure que je vais sortir en premier, je suis trop chaud en escape game. Ok, mais pourquoi moi je suis dans une prison et menotté? Les gars, je vous le dis, je vais partir avant vous, je vais avoir l'argent. Anthony Seyard, je vous jure que je vais sortir en premier, vous êtes mort. Vous êtes mort. Il y a des bruits bizarres un peu ici. Il y a des bruits bizarres là. Regardez les gars, ma pièce à quel point elle fait flipper. Les gars, regardez, là j'ai une tombe. Ça fait flipper, mais tout ce que je sais, c'est faut que je sorte pour gagner cet argent, les gars. Bon, déjà, à savoir qu'il faut regarder un peu en hauteur et regarder dans tous les endroits où on n'a pas l'habitude de regarder dans les salles comme ça, frère. Du genre, ça, une flûte. Ok, j'ai trouvé une flûte. C'est une baguette de Dumbledore. Je vais analyser ce qu'il y a un peu dans la pièce. J'ai une mallette, sauf qu'il faut des clés. On va l'appeler Gérard. Salut Gérard. Ça va ou quoi? Bon Gérard, je pense que toi et moi on va bien s'entendre. T'as quelque chose à me dire? D'ailleurs, pourquoi je t'entends parler tout seul là? Je suis en train de parler avec mon ami Gérard. Mais c'est qui Gérard? Je sais pas, il y a un mort. En plus, il a mon téléphone dans sa main. Ouais les gars, là, je suis bien, je suis en train de faire de la balançoire. Quel est l'animal presque vivant? Eh les gars, vous pouvez m'aider un truc s'il vous plaît? Oui, oui, vas-y, dis-moi. On va voir s'ils sont gentils avec moi. Alors que le but, c'est vraiment chacun pour sa gueule. Quel est l'animal presque vivant toujours dans la maison? Il se pourrait que j'ai un petit animal devant moi, enfermé dans une cage. Oh, dis-moi, c'est quoi? C'est quoi, Coubert? Vas-y, s'il te plaît, mec, dis-moi. Mais mec, je veux gagner les 500 euros, moi, je veux pas que tu les gagnes. Mais non, mais t'inquiète, mec, regarde, on fait une strat. Tu m'aides à sortir, moi, après, je t'aide à sortir. Pas du tout. Ouais, mais c'est le premier qui gagne, y a pas de deuxième gagnant. Non, mais... T'inquiète. En vrai, je vais t'aider, t'inquiète. Ouais, c'est bizarre, le t'inquiète, quand même. Bon, laisse-moi, je dois chercher à sortir de cette pièce, moi. Est-ce que je peux la mettre dans le trou? Pas la mettre dans... Attendez, les gars, ça s'est allumé. Ça s'est allumé quand j'ai appuyé. Ok. Quand j'appuie sur les boutons, sachant que sur les boutons, il y a des espèces de d'étiquettes witch. Enfin, des noms de potions, on dirait. Ça allume les potions. Donc, à mon avis, c'est certain, il y a un ordre. Faut que je commence par un ordre précis de potions, mais je sais pas par où commencer, en fait. Et il y a rien, j'ai pas d'indice. Ok. Il y a un cadenas avec trois numéros et une clé. Et je pense que ça va m'aider à sortir de cette pièce. Seyard, s'il te plaît. Ok, je te le dis à condition que tu m'aides. J'ai un cadenas avec trois numéros. Ah mais oui, mec, je te jure, j'en ai trois en plus ici. Ouais, mais tu me mytho, je peux pas te faire confiance. Mec, le premier... Et tu me dis le truc, je te jure, fais-moi confiance, j'en ai trois, vraiment, mec. Non, à la limite, tu me donnes les deux premiers numéros, c'est tout. Non, mais je te donne les deux premiers, à la rigueur, tu me donnes l'animal et je te donne le dernier. Vas-y, on fait comme ça, mec. Ok, le premier, c'est 4. 2. Du coup, l'animal, c'est quoi, mec? Gros, t'es sérieux, je vais pas me la mettre à l'envers, quand même. Merde, si j'ai les deux numéros, il va penser qu'il en reste qu'un, il va tout essayer. Mais attends, j'essaye de voir si je pouvais te faire confiance, tu m'as menti. Je sais très bien ce que t'es en train de faire. Tu te dis, ok, vu qu'il y a trois chiffres, tu vas tester les deux premiers, et le dernier, tu vas tester jusqu'à trouver le bon. Sauf que je savais que t'allais pas avoir confiance en moi, donc je t'ai donné un faux chiffre parmi les deux. Bah oui. Ok, mec, je te donne l'animal. Vas-y, j'attends. Ok, les gars, j'ai trouvé. Regardez juste ici, je sais pas si vous voyez, c'est dans le coin. Qui aurait pu voir ça? Potion de résurrection des Homer. Et c'est pas dans l'ordre. Par contre, mec, je suis trop petit. Je vois rien. Attendez, les gars, genre vraiment. Je suis trop petit! Attends, y'a pas un truc? Mais je prends la chaise. Voilà, reste là, ma belle. Je sais pas si j'ai le droit. J'espère qu'on va tenir. Ok, mec, vas-y. S'il vous plaît. J'espère que j'ai fait le bon choix. Ok, le dernier chiffre, c'est. Suisse. C'est une lettre de l'alphabet, ça, frérot. 4, 2, 9. Mec, t'es sérieux? Tu m'as niqué comme ça? Non! 4, 2, Anthony, on va parler comme ça. T'es sérieux? Non, la vérité, 4, 2, va te faire foutre. Oh le bâtard. J'ai aucun chiffre ici. Oh le chien. Je suis désolé, mec. C'est un malade, maniqué. Du coup, c'est le furet, l'animal qui est presque vivant. Ok, je prends ma baguette. Donc la numéro 1, c'est Rutter Egg. Rutter Egg, Rutter Egg. Donc la première, Rutter Egg. Ok. La deuxième, elle ou la 2? N-Ban. Goat, Cat, N-Ban. Les deux potions. La troisième, Witch Powder. C'est ça. Les gars, je vais y arriver, hein. Je vois juste rien, mais je vais y arriver. Elle ou la 4? Vampire. La 4, Vampire. Ah, c'est ça. Ok, nice. Le 5, c'est Elixir. Ok, normalement, c'est bon. Je crois que j'ai réussi, là. Ok, alors attendez. Je crois que... Oh! Oh! Ok, mais je suis en train de regarder. Je viens de trouver ça. Ok, en fait, là, en fait, depuis tout à l'heure, je fais rien. Et en fait, je dois faire des trucs. Mais oui, mais j'ai une mallette à retirer. Moi, je suis en haut depuis tout à l'heure, je fais rien. Je comprends rien. Et je vais commencer à vraiment chercher le truc. Mais moi, il y a un truc que je comprends pas. J'ai donné ma réponse. C'était le furet. Et c'est ça.
Qu'est-ce que je peux foutre de ça? On a plusieurs choses. On a un mot, on a ça. Qu'est-ce que c'est? De l'hydromel plus un mot. Alors attendez, c'est marqué quoi? Faire infuser de l'hydromel et dire l'incantation suivante. 5 sacs de son, 6 sacs dessus. Quoi? T'as trouvé un truc, mec? Toi, ferme là. Ok, t'es pas obligé de t'énerver comme ça. Ouais. C'est ça la réponse! Je comprends rien! Ah, faut peut-être que je donne des blazes. Let's go! Qu'est-ce que t'as trouvé? Le bouton pour éteindre le talkie-walkie et ne plus t'entendre. Ok, sympa. Ok, mais qu'est-ce que je fais avec la famille? Ah, y'a un mot derrière. Nicolas? Bah, Bartol, elle est là. Qu'est-ce que je dois faire avec ce papier? Je les ai trouvés. Bon, là, j'ai l'hydromel. Je crois que c'est ça, hein. Normalement, c'est ça. Je le mets là-dedans. Faire infuser de l'hydromel et dire l'incantation suivante. En moins de 5 secondes. Mais c'est impossible. Ok, je mets un peu. 5 sacs de son, 6 sacs de sur, 7 sauts de sel, 4 pincées de sucre aussi. Mais savez-vous à quoi ça sert? Je m'en suis mis partout. Les gars, objectif, chercher ce qu'il y a dans la pièce. Là, depuis tout à l'heure, je suis trop en mode chill. Oh, y a un doudou. Ok. Oh, y a un truc à l'intérieur, c'est sûr. Oh, j'ai trouvé une clé. Oh oui, mec, j'ai trouvé une clé. Mec, j'ai ouvert un truc. Un crâne. Une cape. Cool. Et non. Cassandra, ok. Ah, j'ai cru que c'était une vraie araignée. Sa mère, j'ai eu peur. Attendez, les gars. Oh, la dinguerie, c'est bon. Oh la dinguerie. Eh les gars, vous êtes là? Bon, déjà mon premier réflexe. Ça n'a rien fait. Les gars, moi j'ai une strat. Ok, il y a rien dans les livres. Ok les gars, de toute façon c'est simple. Tous les indices que je trouve, les gars, je vais les garder pour moi. Est-ce que ce tournevis sert à dévisser ça? Est-ce que ça, je dois l'enfiler? Ah, je pensais. C'est un peu en mode t'arrives, tu vas voir ta meuf, tu dis, je te quitte. C'est rien, je viens de délivrer! C'est faux, j'en ai rien à foutre. Qu'est-ce que je fais avec ces photos? Est-ce que c'est bien ce que je fais ou pas? Tu devras sacrifier quelqu'un, ou ce qu'il reste de quelqu'un, en le posant correctement. Il faudra le poser sur... Sur quoi? Il y a eu un petit... T'as coupé. Ça, je dois peut-être le mettre quelque part. Et moi, c'est bon! J'ai mis tout le monde sur la tombe! Il y a toute la petite famille! Dieu de la mort! Il y a une porte qui s'est ouverte. Bonjour. Sauras-tu sortir vivant de ces lieux? Oui. Les esprits m'envoient. Tu dois positionner correctement tes commandes pour identifier les membres maudits de cette famille. Dépêche-toi! J'ai eu peur! J'ai une porte qui s'est ouverte. Monsieur, bonjour monsieur. Ça va, mec? Je comprends rien, s'il vous plaît. Il a dit, je jouais de la harpe avec mes 10 doigts. Je ne peux pas sortir par là. Comment je dois sortir? Oh merde, putain, je dois te délivrer. Il joue de la harpe, il a dit jouer de la harpe. Mais c'est ce que j'essaye de faire. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Sol, la, si, do. Yeah! Mais je suis tout petit! Mec, libère-moi, s'il te plaît. Aide-moi. Attends, mec, j'avais une clé. Yes. Est-ce qu'on n'est pas une putain d'équipe? Ouais, de ouf. On partage, hein. Ouais, on partage. Les gars, merci beaucoup à Escape Lab. Là, nous sommes dans la salle mystique. 5 salles d'escape game, 2 jeux en VR 4D. Bref, vous l'aurez compris, c'est une dinguerie. Encore merci à Escape Lab. Les gars, c'est une dinguerie, on va dire jusqu'à où ils vont dans le décor. J'ai hâte de voir ça, c'est une dinguerie. Oh, c'est bon. T'as même mis ton parti en diesel. Oh. Ouais, c'est le crâne incroyable. Ah, merde. Chacun dans sa merde, mon ref. Tu te démerdes. On n'est pas potes parce que tu me parles là. Et toi, déjà, dégage. On n'oublie pas pourquoi on est ici déjà. Ouais, j'oublie vraiment non, pas. Non, mais avant de penser à l'argent, avant de penser à tout ça, putain, je cadre comme une merde. On est quand même là pour l'amour. Non. Ça y est, viens là. Arrête de chercher les indices. Les gars, j'ai un truc à vous proposer, moi. Non, enfin, cache-cache. Je commence à me cacher, vous comptez pendant 10 minutes. Oui. T'as bien raison. Eh, hey, y'a du vent là. Mec, y'a une boussole. Non. Je
chamallow. On va tous devoir prendre un chamallow à tour de rôle et le premier qui n'arrive plus à dire le mot chamallow aura perdu. 1, 2, 3. Chamallow. 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 Oumpa loumpa loupa. 1, 2, 3. Chamallow. 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 Il mange quoi? Non, 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 non. Là, j'ai eu comme indice, utilise la potion de Raph pour la mettre dans le récipient juste ici. Donc là, je vais essayer de leur retourner le cerveau pour m'isoler et pour pouvoir mettre la potion magique. Venez, on va tous déjà voir nos salles, ça se trouve, on peut trouver des indices en plus. C'est impossible que ce soit ma pièce déjà. Attends, mais monte tes potions, ça doit être méga stylé toi. Wesh! Mais c'est stylé de fou ton truc toi. C'est méga stylé. Là, du coup, t'avais une potion là? Ah, ça. Ah, mais ça, c'est mon pot de pisse, hein. Ah, non. Si. Attends, je vais pas sentir assez air. Mec, t'es ma sans ça. Ça sent le vieux. Ah. Mais je comprends pas, j'ai mis votre indice, mais il se passe rien. Tu as observé cette boule de cristal. Multicolore. Oui. Observez bien le reste de la pièce. Les symboles et les couleurs sont reliés à cette boule de cristal. Ok. Tu devras être rapide. Voilà un indice pour toi, Sia. Frérot, on pourrait pas le faire, c'est moi qui l'ai indiqué. Ah ouais, mais il me l'a donné. T'es sûr? Ça c'est jaune. Il t'a donné ça? Tu le veux? Oui. Et quoi en échange? Un prout. Tu dégages parce que du coup, moi je l'indique, donc tu sors, tu restes en fait. On va faire le ménage. Ouais, y a un truc là. La mallette. Quel genre? J'en sais rien, les gars. Ah, mais regarde, s'il te plaît, ça se retire. On devait. Chacun d'entre vous a le droit de poser une question au maître du temps. Ok, moi je commence. Comment on peut réussir à faire ouvrir cette boîte? Ok, il faut céder des livres, je pense. C'est vrai, je t'ai pas vu, c'est le parquet qu'il y a. Reviens ici, salopard. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu un indice. Mais non. Et il l'a mis dans sa poche. Un papier? Eh hey mec, moi je t'ai dit tout à l'heure. Mais ça veut rien dire. Vas-y moi. Attends, d'abord j'essaie de chercher. T'as essayé là-dessus? Mais il y avait rien dedans, il y avait rien. J'ai trouvé! Le dieu de la mort! C'est bon, j'ai mon doigt! À ce stade de l'aventure, la question va se poser. La suivante. Non, Hamlet, c'est pas Hamlet. William Shakespeare. Ah bah si. Oh. Vas-y, mets. Merde. Là, il manque quoi là? Ah! Ouais, c'était pour moi si vous étiez des malades. Monsieur? Oui. Est-ce que c'est grave si je mets le liquide dans ça? Bien joué. Les gars, vous avez gagné. Enfin, vous avez perdu. Allez, salut loser. Et n'oublie pas de t'abonner si toi aussi tu veux recevoir une mallette remplie d'argent. Non, je déconne.